Pas question qu'une jeune femme approche le prince Harry pour Meghan Markle. Présente lors d'un match de polo de bienfaisance à Miami, en Floride, le 12 avril 2024, la maman d'Archie et de Lilibet a empêché une femme de poser à côté du fils cadet du roi Charles alors qu'il venait de remporter un tournoi de polo. La duchesse, âgée de 42 ans, a ainsi poliment, mais fermement, demandé à une femme de se déplacer et de prendre la pose, à côté d'elle. Meghan Markle a insisté pour garder sa place auprès du prince et la jeune femme a ainsi été obligée de se glisser sous le trophée pour trouver une autre place sur la scène. Une scène un peu gênante qui a depuis été diffusée sur les réseaux sociaux. À moins qu'elle souhaitait simplement mieux placer la dame devant la coupe et sous les projecteurs. Lors de ce tournoi baptisé Royal Salute Polo Challenge, organisé au profit de l'association caritative de Harry, St. Bale, le prince a retrouvé avec son ami de longue date Nacho Figueras, qu'il décrit souvent comme le David Beckham du polo, et sa femme argentine, Delfina Blaquier. De son côté, Meghan Markle a été rejointe par son amie Serena Williams à l'événement. Selon le Daily Mail, la duchesse de Sussex portait une robe estimée à 800 $ de la créatrice californienne Heidi Merrick et un sac Valentino au prix de 3 300 $. Le couple royal a participé à l'événement et s'est reposé dans un cadre luxueux alors qu'ils continuent de tourner deux nouvelles séries pour Netflix dans le cadre de leur contrat de 100 millions $ avec le géant de la diffusion en continu. Ils ont annoncé la nouvelle sur leur site web Archwell cette semaine et ont promis de fournir aux téléspectateurs un accès sans précédent au monde du polo professionnel. Connue principalement pour son esthétique et sa scène sociale, la série lèvera le rideau sur le cran et la passion de ce sport, capturant les joueurs et tout ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau, indique-t-il sur leur site.